Quel nombre est représenté par ces petits cubes Alors ici chaque petit cube représente une unité et on a plein de petits cubes ici et on voudrait savoir quel nombre ça représente. Donc en fait, combien il y a de petits cubes en tout Alors évidemment, une solution ça serait de compter tous les petits cubes, mais comme il y en a vraiment beaucoup, c'est pas du tout pratique, donc on va essayer de faire autrement et pour ça, on les a rangés d'une manière un petit peu spéciale. On va commencer par cette partie-là qui est plus simple. On voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits cubes. Et ici, c'est ce qu'on appelle les unités. Donc des unités, ici j'en ai 9. Hein. Je viens de compter qu'il y avait 9 cubes. Chaque cube est une unité, donc en tout j'ai 9 unités. Ensuite à côté, ce qui s'est passé, c'est que j'ai empilé, comme tout à l'heure, des cubes. Mais ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, cet empilement de cubes, c'est ce qu'on appelle une dizaine. Une dizaine. Donc ici, ce que j'ai là, ce sont des dizaines. Tout ça, ici, il y a des dizaines. Et je peux compter combien j'ai de dizaines. J'ai une dizaine, deux dizaines, trois dizaines, quatre dizaines, cinq dizaines. On sait que ça fait 50. Hein. Donc quand je regarde tout ça, en fait j'ai 50 plus 9 petits cubes. À côté, on va faire la même chose, on va compter en fait de manière un peu intelligente. Dans cette plaque qui est là, j'ai rangé des dizaines. Hein, parce que tu peux compter ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits cubes. Donc chaque colonne, en fait, c'est une dizaine. Et si tu regardes. J'ai combien de dizaines, du coup j'en ai Une ici, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dizaines. Donc toute cette plaque-là représente 10 dizaines, et 10 dizaines, on sait que c'est une centaine. Donc ici, en fait, chaque plaque représente une centaine. Donc là, ce que j'ai, c'est des centaines, ici. Alors, je peux voir combien j'ai de centaines. J'en ai une première plaque ici qui représente une centaine, et puis il y en a une qui est cachée derrière, là. Donc, en tout, j'ai deux centaines. Et deux centaines, c'est 200. Donc, si j'additionne, je regarde tout ce qui est ici, j'ai ai deux centaines plus euh, cinq dizaines, donc plus cinquante, plus neuf. Ensuite, à côté, j'ai ces grands cubes constitués de plein de petits cubes. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils sont constitués en fait de plusieurs centaines, hein, parce que ici, cette plaque qui est là, c'est la même que celle qui est ici, donc cette plaque représente une centaine, et je peux compter qu'en fait j'ai une centaine, deux centaines, trois centaines, quatre centaines, cinq centaines, six centaines, sept centaines, huit centaines, neuf centaines et dix centaines. Dix centaines, on sait que ça fait un millier. Donc chaque Gros cube ici représente un millier, donc là ce que j'ai c'est des milliers. Ça, ici, ce sont des milliers. Et je vois facilement que j'ai un millier ici et un autre millier là, donc en tout j'ai deux milliers et deux milliers c'est deux mille. Deux donc maintenant, quand j'additionne tous les cubes que j'ai ici, j'ai deux milliers plus deux centaines plus cinq dizaines plus neuf. Je vais le dire comme ça, 2000 plus 200 plus 50 plus 9. Et en fait ça, je vais l'écrire comme ça. C'est 2259. 2259. C'est 2000 plus 200 plus 50 plus 9. Et ici, en partant de la droite, j'ai écrit combien j'avais d'unités, 9. Combien j'avais de dizaines immédiatement à gauche. Et puis encore à gauche, j'ai écrit combien j'avais de centaines, 2. Et puis encore à gauche, combien j'avais de milliers, 2 milliers. Voilà, on va faire encore un exemple pour s'entraîner. Alors, là, j'ai de nouveau représenté, comme tout à l'heure, un nombre. Et on va essayer de voir combien de petits cubes j'ai. Donc, quel est le nombre représenté par ces petits cubes Alors, je vais commencer par ici, par la place ici. On sait que c'est les unités. Ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. 8 unités. Ensuite, ici, ce que j'ai, c'est des dizaines. J'ai une dizaine ici, une autre dizaine là, et une troisième dizaine ici. Donc ça, je te rappelle, c'est les dizaines ici. Et j'ai 3 dizaines. 3 dizaines, ça fait 30. Donc ce que j'ai ici, là, dans cette partie-là, c'est 30 plus 8, 3 dizaines plus 8 unités. Et ensuite, il faut que je compte tout ce qui est ici. Alors, ici, rappelle-toi, hein, ces grands cubes ici sont constitués chacun de 1000 petits cubes. Donc, ce sont des milliers. Ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Les grands cubes représentent des milliers. Donc, ici, j'ai des milliers. Et ici, ce que je peux dire, c'est que j'ai donc 1, 2, 3 milliers. 3 trois milliers, ça fait 3000. Donc, au total, j'ai 3000 plus 30, plus 8. Pour écrire ça, il faut faire attention maintenant. Je vais commencer par écrire les unités, j'en ai 8. Immédiatement à gauche ici, il faut que j'écrive le nombre de dizaines. Et on a dit qu'il y avait ici 3 dizaines, donc je vais mettre un 3, c'est 3 dizaines. Et ensuite, immédiatement à gauche, normalement, il faut que je mette le nombre de centaines. Mais ici, le problème, c'est qu'il n'y a pas de centaines. Donc, il faut que je l'indique d'une certaine manière. Et ce que je vais faire, c'est mettre un 0 ici à la place des centaines pour dire que j'ai 0 centaines c'est-à-dire je n'ai pas de centaines. Ensuite je peux mettre le nombre de milliers immédiatement à gauche et on a dit qu'on avait 3 milliers. Donc voilà le résultat. 3000 plus 30 plus 8, ça fait 3038. 3 milliers, 0 centaines, 3 dizaines, 8 unités.